Et bonjour à toutes et à tous, ici Pixel Pixel, de retour sur Don't Feed the Monkeys, bienvenue sur ma chaîne si vous ne me connaissez pas. Don't Feed the Monkeys, c'est un jeu où on surveille des gens et on essaie d'en apprendre plus sur eux. Et voilà, le Don't Feed, ça veut dire n'interagissez pas avec les monkeys, donc les humains, mais vous m'avez demandé d'interagir avec eux. Et je pense que c'était une très mauvaise idée, puisque la dernière fois, nous avons assisté à un meurtre en direct et je m'y attendais pas du tout. Et du coup, à force d'interagir avec les gens, je ferme les cages. Et en l'occurrence, bah du coup, ça se passe pas très très bien. Et du coup, bah voilà, assassiné de sang-froid au Nighthawk Store, bah c'est lui, voilà, on a assisté au meurtre en direct, donc c'est un peu la cata, donc ça c'est fermé, je peux plus rien faire, il me reste... Ah bah c'est la nana, oh, ça dégage, oh là 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 là, allez au revoir, il faut que je parte, vous savez quoi, là j'ai vraiment besoin d'argent pour payer... la vieille rombière, vas-y, qui me veut de l'argent. 4 heures, allez, on fait ça, on va bosser un petit peu. Quand elle... J'espère juste qu'elle va pas revenir trop tôt. Et comme ça... Ah zut! Elle est revenue. Non mais je suis crevé en vrai. Ah! Le facteur. Appartement 36, oui, c'est pour moi. Allez, comme ça, je le revends. Ah, une bouteille de chloroforme. Ah bon? Oh oh! Oh 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 oh! C'est trop drôle! Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a essayé de me faire des choses? Ok. Donc c'est erreur. Oui, bah ça je me doutais. Ah, la cage numéro 7. À quelle arme la... À quelle heure la l'arme a été tournée? Hein? Dans la cage numéro 7? Ouais. Ah! D'accord. Alors, excusez-moi, là, je comprends pas trop ce qui m'est arrivé. Donc, j'ai bossé un petit coup. Il faudrait que je rebosse encore un peu. Bah oui, parce que c'était ça que je voulais. C'était quoi la lettre? Du coup, elle va revenir demain. Demain après-midi. Bon, bah, vous savez quoi? J'ai pas vraiment le choix. Il faut que je bosse à fond. Mais à fond de chez le fond. Parce que là, ça va pas du tout. Et on va acheter une nouvelle caméra pour quand même changer de niveau. Merci. Donc j'ai 184. On va tout de suite changer. Oui, je sais. Ah mince, j'ai vu passer un truc, j'ai pas eu le temps de cliquer. Oh. Welcome to Sport Shots. Welcome to... Acheter une nouvelle caméra. Dankeschön. Merci beaucoup. Ah! La petite vieille qui vient chercher son fric. Elle va peut-être se faire agresser. Non. Non. Bonjour madame. Elle est toute contente. Il est déjà 3h du matin. Non, c'est pas vrai. Vous savez quoi? Oh oh, c'est vrai. C'est vrai. Mais en même temps, j'ai vraiment bien bossé, donc c'est pour ça. Eh bien, je vais commander à... Non mais... Non, il faudrait que je regarde... Ah. Voilà. Ouais, je sais que je vais pas bien dans la santé, excusez-moi. J'attends de voir s'il y a des trucs ici. Non, mais là, en l'occurrence, il y a rien qui... Ouais, c'est bizarre. Ouais. Bon, vous savez quoi, ça va plus du tout. Donc, moi, je vais... Il faut que je dépense 44 maximum. Voilà, on va faire les courses. Ça va aller très bien. Je vais tout manger. Et je vais me reposer. Ça sera un peu une journée en blanc, hein, en l'occurrence. Je mange tout. Pardon. Alors, comment je fais pour me rendre de la santé? C'est quand même bizarre, ça. Ah non, juste, je perds de la santé si je bois du café. Ok, bon, il est déjà 6h20 du matin, en fait, ça n'a servi à rien. Donc, ce qu'on va faire... Qu'est-ce que c'est que ça? Vous savez quoi? Il est 6h du matin, je vais dormir 7h. Comme ça, je serai tranquille. Je vais avoir ma nouvelle caméra, et puis voilà. J'ai dit que je faisais une vidéo par jour, mais là, en l'occurrence, la vidéo, le jour... Ok. Ok, parfait. Donc, ok... Les pizzas coûtent moins cher. Donc, quelle adresse est la cage numéro 5? Vous savez quoi? Donc, je vais supprimer tous les mails qui ne concernent pas.
les demandes qu'on me fait. Voilà. Et il va falloir que je continue. Dans... Ouais, mais en même temps... Ah, voilà. J'arrive. Voilà, je te paye. Il me reste 1$. Voilà, tiens. Franchement, 90$ par tous les 3 jours, ce loyer est quand même vraiment beaucoup trop cher, quoi. Allez, ça dégage. Voyons voir la nouvelle caméra. Ah, c'est notre ami Statler. Ouais, il y avait ça. Ok, bon, ça, on le connaît. Donc, c'est plutôt pas mal, ça va... Alors ça, j'avoue, je comprends pas. Elle s'est fait tabasser, hein, quand même, la petite dame. Hein. Je vais la filmer. Ah, cage incompatible avec l'enregistrement. D'accord, donc. Là, ça ne sert à rien. Bah là, en l'occurrence, je sais pas du tout ce que je peux faire. Hein. Non, vous savez quoi? Ça, on a déjà vu. Ça, on a déjà vu. En fait, c'est ça qu'il faudrait. C'est que j'ai tout le temps la caméra sur cet endroit. Et si jamais je vois... alcool. Est-ce que je peux faire des recherches? Non. C'était le mot que j'ai loupé peut-être la dernière fois. Je sais plus trop en fait. Alors, voyons voir. J'avais dit qu'on réessayait de rappeler le mec là. On va voir s'il y a un moyen de l'appeler pendant qu'il est... Oh là là. On va lui parler de Heaven Hills. J'ai une question à propos de Heaven Hills. Ah, bonjour, vous encore, impossible de prendre votre appel maintenant, je suis toujours en train de conduire. Ok, une seconde s'il vous plaît. Ok, non, juste une seconde. Comment est-ce que je peux... Comment? Monsieur, s'il vous plaît, aidez-moi, dites-moi ce que je dois faire. Ouais. Alors, bon, je sais pas, hein, là, c'est quand même bizarre. Ben, vous savez quoi, vu que je, là, en l'occurrence, il est quelle heure? Il est 16h, je vais aller bosser un petit peu, hein. Je vais bosser 4h. Comme ça, je vais pouvoir m'acheter un peu à manger. Et monter ma faim, et puis voilà, quoi. Ok, parfait. Ah! Ah! Ce fameux voisin. Bon, alors, attendez, on va voir ce qu'il nous dit, hein. Oiseau de nuit, ça me manque de te voir, mon ami. Ce gars était une de ces rares personnes qui écoutait mes problèmes. Ok, qu'est-ce que tu veux? Bon, on va essayer d'interagir avec ce monkey aussi, hein, d'accord? Bon, bah, tu sais, j'ai juste réalisé que je n'avais plus de cigarettes et que c'est vraiment très mauvais pour mes nerfs. Tu n'aurais pas des petites cigarettes à me donner? Oui, tiens, bien sûr. Allez, 6$. Allez, tiens. Oh, merci l'ami. Je savais que je pouvais compter sur toi. Bon, allez, je retourne à mon appartement. Hein. Ok, d'accord. Ah, voilà. Bon, bah lui, en tout cas, je me souviens comment on faisait. Mais par contre, pour le coup, c'est vrai que c'était... c'était vraiment bizarre parce que j'avais jamais réussi à répondre à la... Pardon, j'avais jamais réussi à le faire chanter ou quoi que ce soit. Enfin, en même temps, j'avais pas spécialement envie, mais c'est vrai que... Ah, propaganda! Ah, c'est très bien. Donc ça, c'est Crazy Dictator. Oui, je sais. Bon, alors, vous savez quoi? On va faire des courses. C'est quoi qui donne de la santé? C'est des fruits. Allez, on va manger plein de fruits. Voilà, on va manger plein de fruits. Quand on reviendra, on sera tranquille. Non, mais je crois que cette partie est très, très mal commencé. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais je me dis que je devrais peut-être recommencer en fait. Parce que là, j'ai deux cases qui sont fermées. Une cage qui sert à rien. Une cage qui sert à rien. Une cage que j'arrive pas à gérer pour l'instant. Une autre cage qui sert à rien. Une cage pour l'instant, j'arrive pas à comprendre ce qu'il faut que j'en fasse. Une cage qui sert à rien. Et lui, bah, que je connais déjà. Donc c'est vrai que c'est bizarre. Hein. Bon, il est 22h50. On va essayer de faire des choses quand même. Donc déjà, pardon. On va... manger les fruits pour monter sa santé. Voilà. Très bien. Il n'y a pas les mots. Hein. Qu'est-ce que j'ai loupé? Oh, des petits chatons. Bah, c'est vrai que là, il n'y a rien de fun. Et en plus, ça sonne tout le temps. Donc, tout le temps, je vais aller voir et tout ce qui se passe. Bon, il faut peut-être que je fasse des recherches entre Colin Treville et Heaven Mills. Entre le crash de Heaven Mills. Ah! Ah! Kimberly Pegg!
Oh, mais quelle bonne idée j'ai eu. Oh. Ah, mais là, alors attendez, faut peut-être que je lise. Donc, les items paramilitaires, extrême survie, les meilleurs prix sur le marché, gna 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 gna. Ok, ouh là là. Donc, je peux lui parler. Naked? Pourquoi naked? Oh! Oh! Il y a des nus partout! Elle est toute nue! Là, je vois des fesses, là, je vois des seins, là, je vois une foufoune, là, je vois des seins. Interdit au moins de 18 ans! C'est quoi, salocotrucker? Donc, le Evenmist de la milice urbaine, gna gna gna. Ok. Donc nous sommes tous tout nus, a dit Kimberly Pegg. Ah d'accord, donc fais voir les armes. Oh! Non, d'accord. Survival, Militia, Loco Trucker Militia. Non, d'accord. Kimberly Pegg. Bah, alors là, pour le coup, je pense que je peux appeler notre ami Colin Trewin et lui parler de Kimberly Pegg. S'il vous plaît, de quoi vous voulez parler? Je vais vous parler de Kimberly Pegg. Une personne que vous pourriez connaître. Ah, oui, bonjour, vous encore. Impossible, je ne peux pas prendre vos appels. Oh là 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 là, les appels urgents. Mais non, attendez une seconde. Oh, bon. Ok, il me raccroche au nez. On va essayer de parler de Loco Trucker, du coup. On va essayer de le rappeler. Il est 1h du matin. Vous croyez qu'elle dort, la petite mamie, là? On va essayer de voir. Oh, mes voisins quittent tous. Allez, on va parler de Loco Trucker. Merci de rester en ligne, Loco Trucker. Oh, oh mon Dieu. Honey, s'il te plaît. Coupe la radio, s'il te plaît. Je pense que le jour dont nous avons parlé tant de fois est enfin arrivé. Quoi? Comment est-ce que vous m'avez appelé? Bien sûr. Allez, bien sûr, je sais que vous êtes Loco Trucker. Oh mon Dieu! Oh my God! Le moment est arrivé, je le savais! Oh oh mais c'est trop bizarre ce qui se passe dans ce jeu, j'ai flippé. Oh oh mais j'ai même pas le temps de cliquer! Je le savais, ce moment est arrivé! Ne crie pas, ne crie pas! Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Mais je vous dis quoi que je comprends rien, j'ai même pas le temps de lire tellement. Quoi? Attendez, je vous dis que nous allons faire ce. Quoi, je comprends pas. Ah, ce truc de Loco Trucker, ok. Je vous dis que nous allons faire ce truc à propos de Loco Trucker. Oh, non, mais ce bruitage m'a fait bondir sur ma chaise, quoi. Oh, s'il vous plaît, ayez pitié de nous. Nous sommes des personnes malades qui avons besoin d'aide. En plus, l'argent que nous faisons avec les vidéos de nos crashs, bah, nous sert beaucoup. Il y a beaucoup de pervers qui aiment payer beaucoup d'argent pour ça. En fait, j'ai pas eu le temps de lire la suite. Allez, s'il vous plaît. Dites-nous juste, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez de nous? Est-ce que vous allez nous dénoncer? Est-ce que vous allez nous aider? Parce que, est-ce que je vous ai dit qu'on peut faire beaucoup d'argent avec nos vidéos? Oh mon Dieu, c'est horrible. Donc, soit je les dénonce, soit je me fais beaucoup d'argent. You want help? Turn yourself. Alors, vous voulez de l'aide? Dénoncez-vous à la police, c'est la seule option. Je pense que la meilleure chose à faire, quoi? I'm going to think about. Je vais réfléchir à ce que je peux faire de vous deux. Ah! Ça pourrait être l'occasion pour moi de vous demander ce que vous voulez que je fasse. Non, mais moi, de toute façon, je sais ce que vous allez me dire. Hein. Vous allez me dire de choisir de me faire du fric. Faisons du business. Clairement, c'est pas Pixel Pixel qui joue. Moi, en mode, je serais en mode, allez, aller à la police et tout, y a pas de souci. Mais bon, allez, ils sont soulagés. Voilà ce que je vous propose. Comme je vous l'ai déjà dit, il y a une énorme communauté de pervers, dégénérés et bizarres qui veulent payer de l'argent pour les vidéos que nous faisons dans nos aventures. Et en plus, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner une partie de l'argent qu'on a tous les jours. Quoi? 25 succès déverrouillés? Ok, j'ai eu un succès. Quoi? 25, c'est pas beaucoup, hein. Est-ce que t'as entendu ça, chérie? Oh, enfin quelqu'un qui nous comprend. Je peux dire que vous êtes une personne qui a beaucoup d'empathie avec la douleur. Bon, allez, je raccroche. Hein, ne vous inquiétez pas, maintenant, vous aurez votre argent tous les jours. Allez, chérie, remets la caméra et tout. Ok. Ok, une cage de plus qui est closed. Ça veut dire que je peux... Ah bah, alors vous qui vouliez que j'interagisse, je pense que... Ah mais non, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, c'est pas ça que je voulais faire. Excusez-moi, je vais raccrocher. Excusez-moi. Oh là là. Qu'est-ce que... Ok. Mes voisins sont en train de faire des bruits bizarres. Eh ben alors là, pour le coup, bien pratique cette petite vidéo. On a appris plein de choses, donc c'était plutôt cool. Bah, de toute façon, là, il est 1h30 du matin. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire à part... Bah, continue à me faire un peu d'argent en allant travailler. Il est quelle heure, j'ai dit? Il est 1h du matin. Bah écoutez, je vais faire ça. Je vais aller bosser. Comme ça nous ramène à 9h du matin.
Et là, par contre, il faut que j'achète beaucoup de caméras et puis normalement, je devrais me faire beaucoup d'argent, quoi, avec ce truc. Donc, dans 5 jours, il faut que j'achète encore 7 caméras. Très bien. Je me fais beaucoup d'argent, plus 82. Je vais toucher les 25 dans pas longtemps. Très bien. Ah oh, c'est vrai que maintenant, je peux acheter du matos pour les envoyer à des gens. Voilà, très bien. Et bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et puis à partager ce jeu avec vos amis si ça vous plaît. Je pense que j'ai un peu de problème parce que je vais pas pouvoir répondre à pas mal de cages à cause de tout ça, mais c'est pas grave. Ah, bon, bah écoutez, lui, vous savez, c'est le mec qui nous dit qu'il va. Apparemment, il a trop interagi et puis je sais pas quoi et tout. Voilà. Allez, et ben prenez soin de vous et à très bientôt. Peace out.